L'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. C'est Iliane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolée de mon absence. Ça fait beaucoup de temps que je suis plus sur YouTube et tout. J'ai aucune idée de vidéo. Aucune idée. Mais là, c'est les vacances. Je reviens avec. Voilà. Donc, ce qu'on va faire là. C'est qu'en fait, je vais vous dire toutes les infos foot un peu qui se passent. D'abord, nous allons regarder si le mercato, oui, le mercato transfert qui va où. C'est parti, nous allons commencer. C'est parti. Alors, Juan Manuel Cruz, attaquant du Real Betis. Qui a renouvelé son contrat jusqu'au 30/6/2025. Je vous montre ça. Regardez. On voit pas très bien. Voilà. Oula, on voit pas très bien. Ouais, je peux pas vous montrer quoi. Bref, J'arrive pas à vous montrer, je suis vraiment désolée, je peux pas vous montrer. Juan Manuel Cruz qui renouvelle jusqu'au 30/6/2025 au Real Betis. Après, Abel Bretones, un milieu de terrain de je sais pas quel club, je vais regarder tout de suite, qui a prolongé jusqu'en 2026, le 30/6/2026. Il a au Real Oviedo, je ne connais pas du tout ce club, voilà. La prolongation de contrat, Finlay Pollock, un milieu de terrain qui renouvelle jusqu'au 31/5/2025, je crois, au Hearts, un club en Écosse plus précisément, Hearts of Midlothian FC, voilà. Lucas Calvache, milieu de terrain, renouvellement de contrat jusqu'au 30/6/2025 avec le Victoria Plzen. Plzen, ça me fume. Voilà. Jérémy Melo, tranquille, bref, voilà. Jérémy Melo, défenseur. De CD Tenerife, contrat jusqu'au 30/6/2025. Voilà. William Balikvisha, milieu de terrain, renouvellement de contrat jusqu'au 30/6/2025. Juan Ramirez, milieu de terrain, contrat jusqu'au 31/12/2026. Evan Ferguson, attaquant. Ah non, je ne vous ai pas dit Juan Ramirez. Il vient du Boca Junior. Boca Junior, il a prolongé jusqu'au 31/12/2026. Evan Ferguson, attaquant du Bridgeton & Hove en Angleterre, qui prolonge jusqu'au 30/6/2026 avec Bridgeton & Hove, attaquant. Voilà. Enrique, attaquant de América MG qui a prolongé jusqu'au 31/12/2023. Fabian Rohner, milieu du FC Zurich qui prolonge jusqu'au 30/6/2025. Voilà. Veljko Nikolic, milieu de terrain du Étoile Rouge Belgrade. Contrat jusqu'au 30/6/2025. Okay. Voilà. José Luis Gaya, défenseur, contrat jusqu'au 30/6/2027 avec Valence CF, enfin, Valence Club Football. Voilà. Julian Gressel, défenseur du Vancouver Whitecaps en Major League Soccer, donc en MLS.
Voilà, qui a prolongé jusqu'au 31 du 12 2023. Ryan Raposo, milieu de terrain, renouvellement de contrat, lui aussi de Vancouver Whitecaps, qui a prolongé jusqu'au 31 du 12 2023, comme Julian Gressel. Milieu de terrain, Ryan Raposo et Julian Gressel, défenseur. Isaac Boehmer, gardien aussi du Whitecaps, du coup, qui a renouvelé jusqu'en 2023, 31 du 12 aussi. Sébastien Berhalter, encore Whitecaps, milieu qui renouvelle jusqu'au 31 du 12 2023, lui aussi. Alidou Seydou, défenseur central du défenseur du Clermont-Ferrand, contrat jusqu'au 30 du 6 2027. Felipe Azevedo, attaquant du América MG, contrat jusqu'au 31 du 12 2023. Luis Martins, Whitecaps encore, défenseur central, renouvellement jusqu'au 31 du 12 2024. Diego Gutiérrez, attaquant du Portland Timbers, aussi en Major League Soccer, en MLS, contrat jusqu'au 31 du 12 2023. Ok. Zach McEngrow, défenseur de Portland Timbers, lui aussi. Ok. Contrat jusqu'au 31 du 12 2023. Justin Rasmussen, lui aussi de Portland de Timbers, qui renouvelle lui aussi jusqu'au 31 du 12 2023. Magnus Sioeng, un gardien du Vålerenga IF de l'Eliteserien, qui prolonge jusqu'au 31 du 12 2026. Florentino Luis, milieu de terrain du Benfica, qui lui prolonge jusqu'en 2027, le 30 du 6 2027. Voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Christian Barrios, attaquant du San Lorenzo en Primera Division. Contrat jusqu'au 31 du 12 2024. Alexander Selihov, gardien du Spartak Moscou, qui lui, jusqu'au 30 du 6 2025, qu'il a prolongé. Et là, ça va commencer avec des joueurs un peu qu'on connaît. Prolongation de contrat, Phil Foden, milieu du Manchester City, je pense qu'on le connaît tous, lui, qui a prolongé jusqu'en 2027, le 30 du 6 2027, il a prolongé avec Manchester City. Douglas Luiz, milieu de terrain de l'Aston Villa FC, lui qui prolonge jusqu'au 30 du 6 2026 avec Aston Villa. Martin Zubimendi, milieu de terrain, renouvellement de contrat jusqu'au 30 du 6 2027. Damien Rivera, milieu de terrain du Nouvelle-Angleterre, un club de MLS. Voilà, qui prolonge lui jusqu'au 31 du 12 2023. Ryan Spalding, lui aussi de Nouvelle-Angleterre, défenseur qui prolonge jusqu'au 31 du 12 2023. Ben Revenault, lui aussi de Nouvelle-Angleterre, défenseur, contrat jusqu'au 31 du 12 2023. Justin Reinix, attaquant du Nouvelle-Angleterre aussi, contrat jusqu'au 31 du 12 2023. Maciel, milieu du Nouvelle-Angleterre encore, contrat jusqu'au 31 du 12 2023. Henri Kessler, défenseur du Nouvelle-Angleterre aussi, contrat jusqu'au 31 du 12 2023. Jacob Jackson, gardien du Nouvelle-Angleterre aussi, contrat jusqu'au 31 du 12 2023. Earl Edwards Junior, gardien du Nouvelle-Angleterre aussi, contrat jusqu'au 31 du 12 2023. Jonathan Bell, défenseur contre renouvellement de contrat jusqu'au 31 du 12, défenseur de Nouvelle-Angleterre aussi. Bon, là, il y a vraiment énormément de renouvellement de contrat. Je pourrais jamais terminer. Regardez. Et ça se termine pas. Voilà, donc je pense qu'on a eu assez pour l'instant.
Donc c'est parti, on va commencer pour les matchs qui se sont passés de hier jusqu'à aujourd'hui. Du coup, on va commencer avec la Liga. Almeria face au Gérone, 3-2 pour Almeria. CA Osasuna, 1-0 face à l'Espagnol de Barcelone, il me semble. Oui. Barcelone Villarreal, victoire 3-0 hier de Barcelone. Hein. Et c'était seulement des matchs de la Liga hier. Et le classement, Real Madrid premier avec 28 points. Le FC Barcelone en deuxième place avec 25 points. Real Sociedad 22 points. Et Atlético Madrid 20 points. Voilà, je pense que c'est bon. Benzema Ballon d'Or déjà. Xavi, il me semble qu'il est bientôt viré à Héro, il me semble. Non, je crois qu'il devait être viré et maintenant c'est un héros du truc. Je pense que C'est c'est ça, bref, voilà. aujourd'hui. Les matchs qui sont en cours aujourd'hui. À 21h15, de Porto qui affronte Benfica. En ce moment-là, on est à la 68e minute du match Hajduk Split face au Dynamo Zagreb. 1-0 pour Hajduk Split. Et le buteur est. Attendez. Le buteur, c'est Marco Livaja à la 27e minute. Et le passeur, Dario Melniak. Voilà. Donc, voilà. Alors, Et aussi, Kouknock face au Dumbarton à 20h45. Voilà. Donc, voilà. On va on va voir. voir si, ok, on va regarder les matchs du 19 octobre, donc avant-hier. En La Liga, il y a eu Real Valladolid face au Celta Vigo, 4-1 pour Real Valladolid. Un gros, gros match. Cadix Football face au Real Betis 0-0. La Real Sociedad face à Mallorca 1-0 pour la Real Sociedad. Elche qui a affronté Real Madrid et victoire 3-0 du Real Madrid. 6 de Junio. C'est en Coupe du Roi, qualification journée 1. 0. Bah, Alcora qui gagne 3-0 face au 6 de Junio. Amigo face à Fuentes, victoire 3-0 de Fuentes. Velarde Torregano, victoire 1-0 de Velarde. Santa Amalia face à Universitario, il me semble. 2-1 pour Santa Amalia. Autol face à Dinamo Son Juan, 1-1, match égalité. Algar qui a joué contre Melilla, 4-1 pour Algar. Montilla face à Rincón, 0-0. Mollerussa, 4-2, victoire face à Cardassar. Casalegas qui ont gagné 2-1 face à Los Yebenes. Barbados qui ont joué contre Atlético Lugo, 2-1 victoire. Et là, on va regarder encore les matchs du 18 octobre et les matchs du 17 octobre. Et on va regarder les matchs qu'il y aura demain. D'accord? Ben, en fait, vous Je vais pouvez. pas répondre, du coup, Je sais pas, je dis d'accord d'accord. pour n'importe quoi, bref. En La Liga, Séville face à Valence, 1-1 match égalité. Getafe qui a affronté l'Athletic Bilbao, 2-2 égalité aussi. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, 1-1 les deux aussi. Donc voilà, c'était, il y avait que ça comme match hier. Le 17 octobre, il n'y avait eu qu'un match. Donc on va faire 16 et 15 octobre encore. On verra si le 16, il y a beaucoup de matchs ou pas. Villarreal face à Osasuna, victoire 2-0 du Villarreal. Et voilà, c'était le seul match Du 17 octobre. dimanche. Dimanche.
Le meilleur jour pour les matchs, il y a eu Real Madrid-Barcelone, Manchester City-Liverpool, OM-Paris. Oh là là. Bref, je vais vous montrer dans bien. Celta Vigo face au Real Sociedad 1. Victoire 2-1 du Real Sociedad. Real Madrid qui gagne 3-1 face au Barça. Merci. À la Madrid, hein, pas Vista Barça. Non, non, non. C'est à la Madrid, d'accord? Et victoire 3-1 du Real Madrid face au Barça. Espagnol de Barcelone qui gagne 1-0 contre le Real Valladolid. Real Betis qui gagne 3-1 contre Almeria. Et moi, ça m'est que, il n'y avait que ces matchs-là. Moi, ça m'est qu'il n'y avait que ces matchs-là. Pourtant, il y avait Manchester City-Liverpool, 1-0 pour Liverpool. Et Paris OM, 1-0 pour Paris. Voilà. Et on va là, je pense qu'on peut terminer la vidéo comme ça. Hein. On va quand même le 15 octobre, y a-t-il beaucoup de matchs? Non, on va faire quand même le 15 octobre, samedi. On a la Liga, Gérone face à Cadix CF 1-1. Valence face à Elche 2-2. Majorque face à Séville 1-0 pour Séville. Athletic Bilbao face à l'Atlético de Madrid 1-0. Donc voilà un peu toutes les actualités. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Maintenant, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. Une bonne grosse vidéo qui a duré 17 minutes. Ma plus grosse vidéo pour l'instant. Je vais voir si je trouve un autre truc, une autre vidéo qu'on peut faire, que je peux faire là, tout de suite. Je vais faire la miniature. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, faites ce que vous voulez. Bref, voilà. Alors, pour les gens qui veulent l'application sur quoi j'ai regardé tout ça, c'est OneFootball. OneFootball. Je pense que je vous mettrai le logo de OneFootball ici. Bref, voilà. Non, en fait, je ne vais pas vous le mettre parce que. En fait, maintenant, j'aime pas dire je vais vous le mettre, mais maintenant, je ne vous le mets pas. Bref, comprenez-moi. Là, je fais mon montage sur CapCut. Donc, je dois juste mettre là un truc, un logo. Mais ma vidéo, elle dure 18 minutes. Donc, bah, en fait. Ça va prendre trop de temps à enregistrer tout pour ça. Donc, je vais vous montrer directement l'application. Hein. Je vous la montre directement là. Voilà. Hop. Tac. Attendez. Oh, voilà. One football. Voilà. Cette application, je vais vous remontrer vite fait. Oh. Attendez, puisque le téléphone il bug un peu. Voilà, vous avez vu le logo. Bref, vous allez, si vous voulez avoir l'application, vous allez dans Apple Store ou dans le truc pour installer des applications. Vous mettez One, One, Football, One Football. Enfin, tiré, espace, quoi, vous avez compris. Du coup, voilà, c'est fin de vidéo. J'espère qu'elle elle vous a plu. Désolée, j'ai pas pu vous montrer les photos et les trucs là, parce qu'en fait, je montre. Regardez. Bah, en fait, ça éclaire trop le truc et on voit rien. Donc voilà. Désolée, mais j'espère que vous avez aimé. Du coup, voilà. Ciao, c'était Iliane.